Sur la scène jazz et fusion en France, il est un nom qu'on entend de plus en plus, celui de Pierre-Jean Gaucher, que j'ai le grand plaisir de vous présenter. Bonjour. Alors, Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais en musique actuellement ? Alors actuellement, je passe beaucoup de temps à monter un disque qui était enregistré récemment, qui sort début 98, ouais. Et qui est un album public en hommage à Frank Zappa. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences ? Écoute, elles sont multiples. Ouais. Alors, je vais te les résumer brièvement. Ouais, ouais. Moi, j'ai commencé par le rock, un peu comme les gens de ma génération. Je suis arrivé au jazz beaucoup plus tard, par le jazz rock, par des gens comme McLaughlin, etc. Ouais. Mais je n'ai pas du tout renié ce que j'aimais beaucoup plus jeune, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime autant les guitaristes actuels de jazz, John Scofield, Metheny, Bill Frisell, que les gens un petit peu d'avant, comme McLaughlin, et les gens que j'écoutais en premier, comme Jeff Beck, Ritchie Blackmore, ou Jimi Hendrix, donc, sans oublier Frank Zappa, bien sûr. Et oui. Est-ce que tu pourrais parler d'un aspect technique qui te tient à cœur sur la guitare ? Bien, écoute, oui, si tu veux, je peux te parler un peu d'un sujet que j'aime travailler ces derniers temps, qui est les intervalles, mm-hmm. entre autres. Parce que pour moi, les intervalles, c'est un petit peu l'intermédiaire entre le jeu mélodique sur une corde, par lequel on commence tous un peu, ouais, ouais. Et le jeu en accord, après le gros barré, etc. Et l'intervalle, c'est quoi ? Donc, c'est deux notes. Et ça permet, j'aime jouer en intervalle parce que ça permet d'avoir une certaine liberté mélodique. On n'est pas coincé sur des grosses positions d'accords. Mais en plus, on a une polyphonie puisqu'on a deux notes. Ouais. Donc, on arrive là où une gamme de Do, si tu veux, va monter en intervalle. C'est-à-dire, je joue la même gamme ici et sur l'accord de Ré. Tu vois, tout de suite, on entend deux notes, on entend un petit accord, on entend une progression d'accord. Elle est basique, mais on l'entend. Et par exemple, si tu fais une petite basse en La, une pédale en La, on peut évoluer comme ça mélodiquement, on peut improviser à la fois mélodiquement et harmoniquement avec ce genre d'approche. D'accord, allons-y. Ouais, vas-y. Improvisation simple qui reste mélodique mais où on entend quand même une couleur harmonique. Eh oui. Parce que ces deux notes suffisent donc pour créer une couleur harmonique. Dis-moi, j'ai vu que tu rajoutais un effet en cours de route là. Oui, alors ça c'est... T'as raison, c'est effectivement un effet, c'est plus un effet qu'autre chose, c'est un pédalier guitare synthé, ouais. Mais que j'utilise effectivement comme un effet, c'est-à-dire que je vais pas aller chercher un son synthé, imitation, etc. pour remplacer la guitare, ouais. Je vais plus l'utiliser pour soutenir la guitare avec différentes couleurs. Donc là, quand j'avais cet intervalle par exemple, avec ma pédale volume, j'amène doucement un son un peu nappe derrière. Ah oui, d'accord. Et j'aime bien parce que la guitare m'amène l'attaque et le synthé me donne le release, le sustain, me fait durer quelque chose. Donc j'ai un petit peu une... Là, je récupère un petit peu sur un son d'orgue, ça va être flagrant par exemple. Et ouais. Tu vois, avec... Là, ça me permet d'avoir de prolonger le son de la guitare, de pallier peut-être un défaut de l'instrument qui est ce manque de sustain en accord, justement. Super. Dis-moi, on se fait un petit morceau improvisé pour finir ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Eh bien, allons-y. C'est parti.